Il y a déjà quelque temps qu'on ne s'était pas parlé à travers la caméra vidéo. L'explication était très simple, ma caméra était tombée en panne. Donc il a fallu l'envoyer réparer. Et comme ça coûtait un petit peu d'argent, il m'a fallu un petit moment pour pouvoir mener à bien cette opération de réparation. Donc c'est fait, on va pouvoir de temps en temps se parler. Et aujourd'hui, je tenais vraiment, il me tardait de pouvoir de nouveau parler avec vous parce que je veux vous faire part de ce qui pour moi est un événement exceptionnel. Alors, vous le savez, on a une vie un peu difficile. Les gens qui sont un petit peu comme, qui partagent les préoccupations que j'ai, c'est-à-dire qui sont agressés par des agresseurs plus ou moins violents. Le plus violent de tous étant le fisc, évidemment, qui, comme nous en avons si souvent parlé, a un intérêt réel à installer la terreur et ne se gêne pas pour l'installer. Alors nous savons que la terreur, c'est quoi? Ben, la terreur, c'est simplement la condamnation d'innocents. Parce que la condamnation de coupables, ça ne s'appelle pas la terreur, ça s'appelle la justice. Et la justice, ça ne fait peur à personne. Or le fisc a besoin de faire peur, le fisc a besoin de faire peur pour que l'on n'hésite pas à payer même ce qu'on ne doit pas, ou même des impôts complètement surabondants. Et pour ça, il faut qu'il installe la terreur. Donc, il y a une logique de condamner et de poursuivre et de harceler et de torturer des gens innocents. Alors, j'ai mis très, très longtemps à comprendre ça. Je pense que si j'avais compris plus tôt, je ne me serais sans doute peut-être pas pris comme je m'y suis pris, mais finalement, bon. Ça a un résultat collectif, ça permet d'avoir le constat de la manière dont agissent ces gens qui paieront un jour la facture. Absolument, ça peut pas être autrement. Alors, pourquoi, à travers cette difficulté, ces contraintes qui rendent notre vie très difficile alors qu'elle n'a pas lieu de l'être, on est un peu désespéré. Il y a des moments où, c'est vrai, on a de la peine à sourire à la vie, alors que finalement c'est un grand bonheur d'être vivant quand même. Mais bon, des fois, ces gens rendent la vie très difficile. Et là, je voudrais vous parler d'un événement que je trouve exceptionnel et qui redonne confiance dans la vie, enfin pour moi. Cet événement, c'est ça. C'est un livre qui s'appelle, voilà, qui est ici. Alors c'est un livre qui s'appelle Prospérité, puissance et pauvreté. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais vous pourrez faire un arrêt sur l'image et puis après l'agrandir. Donc ce livre, Prospérité, puissance et pauvreté, a un sous-titre qui dit Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres. Ce livre, il est écrit par deux professeurs américains, l'un qui s'appelle Acemoglu, Monsieur Daron Acemoglu, je pense que ça ne se prononce pas du tout comme ça aux États-Unis, et l'autre s'appelle James A. Robinson. Alors je pense que c'est Robinson, et puis l'autre, je ne sais pas. Donc voilà, donc ce livre est absolument stupéfiant. Ce livre est stupéfiant parce que il amène l'espoir, il amène la compréhension logique des choses, simple des choses. Et l'espoir. Moi, je ne suis pas très bon en religion. J'ai cru apprendre que, enfin, on m'a appris que la différence qu'il y avait entre les juifs et les catholiques, moi je suis catholique, c'était que pour les uns, le Messie était arrivé, les catholiques, et pour les autres, le Messie est en attente. Alors moi, je veux dire un truc, si j'étais juif, je me dirais que le Messie est arrivé à travers, enfin, c'est un double Messie, à travers ces deux messieurs, parce que leur découverte, enfin, leur réflexion est exceptionnelle. Que disent-ils? Ils se contentent d'un seul sujet de société qui est l'économie. Entendons-nous bien, l'économie n'est pas le seul sujet de la société. La société, elle est multiple. Elle est économie, elle est art, elle est science, elle est politique, elle est. Bon, elle n'est pas que économie. Mais l'économie est un peu essentielle parce que sans l'économie, rien ne fonctionne. Donc, ces messieurs ont étudié la société sous l'angle de l'économie. Ils se sont posé la question. Pourquoi l'économie marche dans certains pays et pas dans d'autres? Et ils sont arrivés à une conclusion qui est exceptionnelle. Ils sont arrivés à la conclusion suivante. C'est un problème structurel.
Bon, ça, on s'en doutait. Sur ce bloc, il y a déjà longtemps qu'on parle de ça. Oui, effectivement, c'est un problème structurel. Mais ils l'ont défini, ce problème structurel. Ils disent qu'il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés inclusives et les sociétés restrictives. Les sociétés inclusives étant pour eux les sociétés où chacun a sa chance, où tout le monde peut avoir sa chance. Les sociétés restrictives étant extractives, pardon, les sociétés extractives étant les sociétés où une élite capte le pouvoir et capte tous les bénéfices économiques de la société à son seul profit et au profit de ses affidés, et où les autres finalement sont ramenés au rang d'esclaves. Donc ces deux types de sociétés sont effectivement tout à fait compréhensibles, pas toujours aussi tranchées. Quelquefois l'économie, je dirais que le partage ou l'accès de tous à l'économie est relatif mais possible. Quelquefois il est impossible, mais quand même des fois possible. Donc c'est un petit peu, c'est pas exactement tranché, mais ça l'est dans certains pays, au point que ça leur a permis de définir cette organisation sociale qui est la clé de tout. Alors ils expliquent comment cette organisation s'installe, plus ou moins inclusive, plus ou moins extractive. Ils expliquent cela à partir de la Révolution anglaise, qui s'est faite en deux temps, en 100 ans à peu près avant la nôtre. Et ils expliquent que pour que il faut un choc, si vous voulez, il faut un moment critique, ils appellent ça un moment critique, pour que la société bouge. Et après ce moment critique, elle tombe d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire elle tombe, soit elle devient inclusive, soit elle devient extractive. Ils expliquent après qu'il y a un cercle vicieux qui fait que les sociétés extractives ont de plus en plus, malgré les secousses qu'ont toutes les sociétés, ont tendance à être de plus en plus extractives, et par contre il y a un cercle au contraire vertueux qui font que les sociétés inclusives ont tendance, quand il y a des crises, à être de plus en plus inclusives. Alors ça c'est absolument extraordinaire, et ils expliquent que le résultat de la direction pour la société vient en grande partie de la multiplicité des contestataires. C'est-à-dire que s'il y a une contestation qui n'intéresse qu'une certaine élite, qui capte le pouvoir par la violence, par un coup d'État, il y a peu de chances qu'on aboutisse sur une société inclusive, où l'accès à l'économie est possible pour tout le monde. Et par contre, si les contestations ou révolutions sont portées par des tendances complètement différentes, à la fin de la conquête du pouvoir, ces tendances sont plus ou moins obligées de s'entendre, et on va avoir une société inclusive, donc une société démocratique. En fait, c'est ça, la société inclusive, c'est la société démocratique. Donc ces explications sont tout à fait convaincantes, mais d'une manière extraordinaire. Et on sent bien, quand on l'applique à notre société, à nous, que effectivement, on est passé en 40 ans d'une société qui est quand même inclusive, c'est-à-dire qui était ouverte pour tout le monde, à une société qui est devenue extractive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi personnellement, par exemple, les métiers que je fais, enfin que j'ai fait, je ne pourrais plus les faire. Parce que je les ai faits librement, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de corporatisme. Quand je pense par exemple qu'aujourd'hui, une certaine partie de la population a capté l'architecture, qui est un art, qui devrait être ouvert à tout le monde, a capté l'architecture au motif, les gens qui ont capté sont les architectes diplômés, qui avaient comme référence tous les HLM de la Terre, enfin de la France. Sarcelles, c'est l'HLM diplômé, et a fait cet exploit, ils ont obtenu l'exclusivité de l'architecture. Une escroquerie économique, rien de plus. Bon, et résultat, effectivement, ils font la même architecture dans toute la France. Donc il n'y a plus des architectures locales qui étaient tout à fait comme le Pays Basque n'est pas comme la Provence, qui n'est pas comme la Normandie, qui n'est pas comme la Bretagne, etc. Ça c'est fini, enfin c'est fini. C'est pas fini parce qu'on recopie bêtement ce qui était avant, mais c'est fini dans la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les mêmes maisons partout, les mêmes immeubles partout, tout pareil. Et ils apprennent la même chose, ils font tout pareil. C'est invraisemblable. L'architecture, c'est un art. Bon, c'est pareil, si vous voulez, pour la justice.
La justice est captée par les magistrats et les avocats. Et vous, vous êtes là juste pour payer la facture et puis pour faire figuration. Donc c'est partout pareil. Donc si vous voulez, effectivement, il y a une captation. On est dans une société de plus en plus extractive et donc qui va fatalement vers la faillite. Parce que le résultat de ce livre, c'est de comprendre les mécanismes qui font que la société extractive, celle qui protège son élite et capte l'économie, va fatalement faire faillite. Et ça, c'est absurde. Parce que pourquoi elle va faire faillite? Parce qu'elle n'a pas le renouveau. Parce que quand il y a, un pouvoir extractif, c'est-à-dire quand une élite possède le pouvoir, elle ne veut pas se remettre en cause et disparaît la destruction créatrice. Et la destruction créatrice, dans ce livre, il donne deux éléments essentiels à une société. La première, c'est la propriété privée, qui est essentielle. Et la deuxième, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire le fait que quand quelque chose est dépassé, il disparaît. Et alors évidemment, ça n'est possible que dans une société inclusive, parce que les choses disparaissent, parce qu'on autorise les nouvelles choses à arriver. Mais dans une société extractive, où il y a une protection des élites par la corporation, eh bien automatiquement, les choses ne disparaissent pas, elles se maintiennent, et donc il n'y a pas de destruction créatrice. Et c'est ce qui finit par manque d'innovation, par faire faillite à la société. Donc ce livre est absolument stupéfiant, je pense que... Alors ce n'est pas un livre tout jeune, il a déjà 5 ans, donc il vient des États-Unis. Moi, je n'en avais pas entendu parler, je l'ai lu récemment. J'ai rencontré des personnes qui déjà en avaient entendu parler, mais c'est pas pour l'instant événementiel. Or, je pense que c'est vraiment la règle que la démocratie doit comprendre, la règle que les élus doivent comprendre, et la règle qui, pour nous, est extrêmement importante. Donc, la découverte. Donc, il faut lire ce livre. Quand vous aurez lu ce livre, vous aurez. Vous aurez une vision différente, d'abord plus tolérante, puis tolérante pour ceux qui n'ont pas lu, pour ceux qui ne sont pas initiés, et vous pourrez leur expliquer. Et ce sera peut-être la possibilité de désamorcer beaucoup de violence, parce que ce n'est pas très compliqué, et tout le monde peut le comprendre. Et donc, peuvent refuser ce livre uniquement ceux qui sont dans le système extractif. Mais on n'est pas un pays, on est quand même un pays qui est plutôt inclusif. Donc il y a une bureaucratie qui s'est installée, il y a un certain nombre de freins, il y a des gens qui essaient de profiter, d'installer justement quelque chose d'extractif, mais ils ne sont pas la majorité. Ils ne le font que parce qu'on ne comprend pas le système. Ils ne le font que parce qu'on n'a pas la vision lucide de ce qui se passe. Et en plus, ils ne le font peut-être pas exprès. Ils le font par cupidité, tout bêtement. Donc, la lecture de ce livre, à mon avis, elle est essentielle. Essentielle chez les jeunes, essentielle pour nous tous. Et vous verrez, elle va vous apporter, enfin, c'est phénoménal, et ça apporte de l'espoir, et c'est une lecture de la société mondiale, parce que c'est une étude scientifique, c'est pas un roman, c'est pas la grève. Si vous voulez, la grève, c'est un roman. Donc de la grève, on ressort une émotion qu'on partage, mais on débouche sur rien. On débouche sur un état utopique où certaines personnes initiées iraient, mais on ne sait pas trop ce qu'ils y font. Enfin, il n'y a pas de fin, il n'y a rien de construit, parce que c'est un roman. C'est passionnant, mais c'est un roman. Ça, c'est pas un roman, c'est une étude scientifique. Et cette étude scientifique se lit très agréablement, mais elle est argumentée. C'est quelque chose, on est convaincu, mais par des arguments, et des arguments d'une extrême solidité. Donc je vous conseille, et je me permets de vous demander même, carrément, parce qu'on va avoir l'occasion de se revoir, je vais même peut-être acheter une caméra qui nous permettra de discuter. J'en suis pas là parce que c'est un petit peu difficile à manier pour moi. Mais vous aurez tout bénéfice et beaucoup de satisfaction en lisant cet ouvrage. Donc je vous conseille, qui donc s'appelle Prospérité, puissance et pauvreté. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire pour ce retour à la caméra que nous avions perdu de vue depuis déjà un certain temps. Mais j'espère que de temps en temps, nous allons nous revoir à travers l'audio. J'espère que ça vous sera sympathique. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.